Tiens, nous avons eu la même idée. Et oui, j'ai toujours peur qu'on prenne mon chapeau au bureau. C'est comme moi. Vous êtes employé ? Oui, oui. Ah, bon. Ah, on serait bien à la campagne. Et le dimanche, avec toutes ces guinguettes, c'est... si bruyant. C'est vrai, quoique Paris, à la longue, ce soit aussi bien fatigant. Comme vous dites. Ah, un malheureux de plus sur la terre. Les femmes, c'est le cas de le dire, elles ont quelque chose dans la tête. Ouais. En plus, elles sont souvent de très mauvaise humeur. Je me demande si c'est pas un effet de leur constitution. C'est possible. Mais pourtant, elles peuvent être meilleures que les hommes. Meilleures et pires. Vous êtes resté célibataire. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, je suis veuf. Et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous, qui sait. Vous portez une flanelle? Ah oui. Avec une chaleur pareille, ça me semble un excès de prudence. Ben, j'ai toujours craint les coups de froid sur les reins. Pour avoir ses aises, il faut savoir prendre des risques. Ah. Tiens, en voilà un qui en prend des risques. Pourquoi vous dites ça? Cette fille à la vérole, mon chef de bureau, on sait quelque chose. Après ça, on s'étonnera que nos armées ne soient plus les maîtresses de l'Europe. Ah, les prêtres, ils nous ont fait véritablement beaucoup de mal. Pourtant, une religion, il en faut une. C'est toute l'évolution de la société moderne qui est, à mon avis, dangereuse. Car les idées nouvelles n'ont pas réussi à transformer le cœur de l'homme. Et l'honnêteté d'autrefois s'est perdue. On a beau dire, autrefois, on avait le sens de sa place et le goût du travail bien fait. Hein, regardez-moi ce parapet. L'administration l'a laissé se rouiller. C'est comme dans tout. Pareil qu'à Brest, dans les arsenaux, c'est le je m'en foutisme intégral. Résultat, on voit ce que devient notre marine. Et quand la marine faiblit, c'est tout le commerce qui s'en ressent. C'est comme le théâtre. Le niveau des pièces est tombé bien bas. Bien simple, je n'ai plus les pièces. Moi non plus. Ainsi se rencontrèrent par hasard
À Paris, un jour de grande chaleur, deux modestes employés qui ne savaient pas encore qu'ils allaient vivre la plus grande des aventures. Oui. Et si nous dînions ensemble? J'en avais eu l'idée, mais je n'osais pas vous le proposer. Garçon, s'il vous plaît. Je me méfie des épices en général. J'ai peur que ça m'incendie le corps. C'est des organes fragiles. Les organes sont une chose très mystérieuse. Il nous faudrait peut-être les conseils d'un savant anatomiste chaque fois que nous nous mettons à table. Je vais prendre le pot-au-feu. Bon, et moi, je... Je vous suis. La viande bouillie a ça de bien qu'elle a perdu ses sucs abrasifs. Elle est aussi moins nourrissante. C'est vrai, la vie pourrait être meilleure si elle était commandée par la science. Que de choses à connaître, hein. Que de recherches, que de secrets. Hein. Seulement voilà, avant de manger son pain, faut le gagner. Oui, il faut le gagner à la sueur de sa plume. Ah, vous êtes écrivain, monsieur Pécuchet. Oh non, non, je suis copiste au ministère de la Marine. Copiste, mais moi aussi. Que dites-vous là? Je dis que moi aussi je suis copiste. Réellement, vous êtes copiste? Mais oui. Mais où donc? Chez messieurs d'Escambros Frères, rue Hautefeuille. C'est une maison de commerce. Figurez-vous que je suis venu à Paris avec mon oncle et un modeste capital. J'ai ouvert une boutique de confiseurs. 6 mois après, ma femme est partie. Avec la caisse. Et avec le garçon? Oh, avec le mien, en tout cas, je n'en avais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvé à Paris, sans une cerise et ne sachant que faire. Heureusement, la nature m'a doté d'une belle main. Moi aussi, mon chef de division a été séduit par mon écriture. À quoi tiennent les choses, tout de même? C'est quand même extraordinaire, ça. Cette coïncidence. On finirait par croire à ces choses-là. Hein. Un hasard comme celui-ci ferait reculer un romancier. Il trouverait ça trop extravagant. Vous lisez des romans? Non, non, je ne lis pas beaucoup. Mais j'ai de l'estime pour les écrivains. On dit que leur santé s'use plus vite que celle des autres hommes. Il doit y avoir une raison à ça. À votre santé, à vous, monsieur Pécuchet. À la nôtre, monsieur Bouvard. Ah, oh, bien. C'est qu'il y a des livres ici. Oh. Hein? Vous avez l'encyclopédie Roray? Oui. On en dit beaucoup de bien. Ah, oh. Et Fénelon. Vous lisez Fénelon? Oh, autrefois, oui. Maintenant, de temps en temps. Fénelon a déconseillé l'étude des langues, vous savez ça? Il a dit que l'italien et l'espagnol ne servent qu'à lire des livres dangereux. Oh! Le manuel du magnétiseur. Vous avez fait du magnétisme, monsieur Pécuchet? Juste en amateur. Ce sont des coquilles que m'a rapporté du Havre mon ami, le professeur Dumouchel. On dit qu'on peut apprendre l'histoire du monde dans les coquilles. Oh, quelle chaleur! C'est le gros ennui de vivre sous les toits. Surtout avec une flanelle. Vous permettez que j'ouvre la fenêtre? Mes papiers vont s'envoler. Alors faites-moi plaisir, accompagnez-moi. L'air extérieur vous rafraîchira. Allez, venez.
Vous m'ensorcelez. Ma parole d'honneur. Au sixième? Mais on dit que les escaliers entretiennent la jambe. Là. Hé, c'est là-haut. D'ici, j'ai la vue sur la Seine. Par là, si je me penche un peu. Ce sont des gens que vous connaissez? Oui, oui. Des amis. On dirait vraiment qu'ils vont parler. Hein. Ah oui. C'est étonnant, le progrès. Mais la peinture à l'huile, c'est autre chose. Je vous présente mon oncle. Le diamant, là, sur le jabot, c'est un vrai? Oh, mais non. Mais pensez-vous, c'est un effet du peintre. Mais mon oncle, qui est aussi mon parrain, est un homme riche. Je m'appelle François comme lui. François-Denis Bartholomé. Et moi, juste. Juste? Ah, mais comme ceux qui entreront au royaume des cieux. Juste Romain Cyrille. Vous savez, j'en reviens à ce que je disais. Il y a des moments où je commence à comprendre pourquoi les gens croient en la Providence. C'est comme si nous étions guidés. Car enfin, si nous n'étions pas sortis pour nous promener, nous aurions pu mourir sans nous connaître. Mais je sais bien. Mais que peut-on en conclure? Ils partageaient déjà les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations. Un lien secret, puissant, déjà, les unissait. Bonne nuit, Bouvard. Bonne nuit, Pécuchet. N'allez pas voir les dames. Bouvard! Monsieur Bouvard! Monsieur Bouvard! Ah, bonjour! Je ne suis pas malade, je vais retirer. Quoi? Elle! Ah, la flanelle! Je suis pas malade, je vais bien. Attendez-moi! Messieurs, j'ai bien l'honneur. Vous voyez, il suffit d'un rien pour changer la vie. Mais je suis parti avant l'heure. Oh, moi aussi, mais pas de gros coups. Hein. Où allons-nous aujourd'hui? Vous avez une idée? Voilà, alors j'ai fait une liste. Nous avons le musée du Louvre, la Sainte-Chapelle, le jardin des plantes. Bientôt, on pourra lire l'histoire de la Terre dans le sol comme dans un livre. C'est merveilleux. Quand je pense qu'avec un seul os, on arrive à reconstituer toute la bestiole. Aujourd'hui, les grandes aventures sont évidemment celles de l'esprit. Chaque jour, ensemble, ils découvraient avec émerveillement Paris, leur ville. Le champ immense de la connaissance s'ouvrait devant eux. Et tout, même le tombeau de Napoléon aux Invalides, leur inspirait des réflexions. Il paraît que ses ongles ont continué de pousser après sa mort et ont percé ses bottes. C'était un grand homme. Vous vous trouvez un grand despote. C'est peut-être le sort de toutes les révolutions de se terminer par le despotisme.
Oui, mais Napoléon a eu beaucoup de tort. Ouais. Celui surtout de persécuter les savants et les idéalistes. Ceux qui ont fait la Révolution française étaient des hommes instruits. Des hommes à la tête bien faite. Oh, c'est bien fait qu'on leur a coupé. Heureusement, ces temps barbares sont derrière nous. Les idées progressent, comme les techniques. Les cendres qui dorment sous ce porphyre auraient beaucoup de choses à nous dire. Oui. Seulement, voilà. Bouvard. J'ai envie de vous tutoyer. Mais qu'est-ce que tu attends? Tous les intéressés, même les musées les plus austères. En 3 semaines, ils devinrent inséparables. Se développe. C'est un effet de la curiosité. Oui, mais ça me rend chaque jour plus triste. Pourquoi, François? Ah, mais parce que le bureau me devient fastidieux, j'arrive en retard. Et les collègues me mouchardent. Alors, moi aussi, mon patron m'a sermonné, je me sens humilié. J'ai honte. Par moments, j'ai envie de partir sur les routes. Quoi? Comme un saltimbanque. Mais de quoi vivrais-tu? Autant être chiffonnier. François. Oui? Pourquoi la connaissance nous ouvre-t-elle des portes dont l'entrée nous est interdite? Ça, c'est une terrible question. Monsieur Bouvard? Non, 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 permettez. Un peu d'herbe. Non, non, permettez. Bon, mais... Que se passe-t-il? Mon oncle est mort. J'hérite. C'est pas possible. Tiens. Ce testament contient en votre faveur une disposition très importante. Très importante? En ma faveur, j'hérite! Pourvu que ce soit pas une farce. Farce? Mais regarde! Maître Tardivel, notaire à Savigny, le nom de l'étude en lettres d'imprimerie! Une farce! Il faut que tu y ailles. Que tu y ailles tout de suite, sans ça tu risques un coup de sang. Pécuchet, mon ami, tu viens avec moi. Je range mon pupitre. J'arrive, mais calme-toi. Calme-toi! En conséquence, je donne à François Denis Bartholomé Bouvard, mon fils naturel reconnu, la portion de mes biens disponibles par la loi. Mon fils? Oui. Monsieur Bouvard vous avait eu dans sa jeunesse. Il vous fit passer pour son neveu. Puis il se maria. Il eut d'autres enfants. Mais à la fin, rongé par le remords, il décida de réparer ses torts. Juste mon oncle était mon père.
Tu ne le savais pas ? Oh, je m'en doutais un peu. Votre part s'élève approximativement à 250 000 francs. Oh, 250 000 francs. Les autres héritiers ont déclaré qu'ils respecteraient le testament. Oh, 15 000 livres de rente. Oh. Pécuchet, mon ami, nous nous retirerons à la campagne. Je dis bien nous, toi et moi. J'espère que ça ne t'étonne pas. Oh, pas du tout, j'ai trouvé ça tout simple, tout naturel. Merci, mon ami. Mangez les poules de sa basse-cour et les légumes de son jardin. Ah, non mais quelle satisfaction, quel bonheur. Nous cueillerons des pommes, nous regarderons tourner les moutons. Nous laisserons pousser notre barbe. Nous ferons tout ce qui nous plaira. Je... Nous achèterons une boîte à outils. Il en faut toujours une dans une maison. Et une balance. Et un thermomètre. Et un baromètre, si l'envie nous prenait de faire des expériences. Et une baignoire, si nous étions malades. Et des livres. J'ai ma bibliothèque. On peut toujours se les faire envoyer. Les livres, ça ne périt pas. J'emporterai ma grande table noire, tu vois, et mes rideaux. Ah, c'est tout de même extraordinaire. J'en reviens pas. Je crois qu'au bureau, mes collègues se doutent de quelque chose. Il m'arrive de siffloter en écrivant. Moi, je serai tout seul dans la rue. J'ai un ami qui s'appelle Barbarou. Qui est dans les affaires. Et je vais demander de se mettre en quête d'une maison. Dans quelle région ? Bah, alors là, voilà. Là, pour ça, j'ai besoin de ton avis. Voilà, regarde. Voici la France. Bon, le Nord, on n'en parle pas. C'est fertile, mais c'est trop plat. Le Midi, bien sûr, jouit d'un climat enchanteur. Oui, mais il y a les moustiques. Ah oui. Tu sais, moi, les moustiques... Bon, le centre, hein, franchement, n'a rien de curieux. Non. La Bretagne, peut-être ? Oui, mais alors là, les habitants ont souvent l'esprit très... Oui, t'as raison. Hein? Là, on ne peut pas recommander les régions de l'Est à cause des patois germaniques. Mm-hmm. La Touraine, c'est humide. La Gascogne, c'est loin. Hein? Et qu'est-ce que le Forez, à quoi ça ressemble ? Je le vois pas. Pas plus que le Bugey ni le Roumois. Non, à vivre à la campagne, il faut vraiment que ce soit la campagne. Je suis d'accord, mais sans horizon fermé. Non, mais sans voisin immédiat. Bien que la solitude soit quelquefois pénible. Pécuchet, Barbarou a trouvé. Il a trouvé. Oh. En Normandie. Votre camp est falaise. Une maison-château, un rêve, paraît-il. Une ferme. 38 hectares. Et un jardin. Oh, mais en plein rapport. Mais ils en veulent 143 000 francs et je n'en donne que 120 000. Mais si c'est exactement ce que nous voulons. Ben oui, mais écoute, j'ai dit 120 000. Écoute, moi, je. Écoute, je prends ma retraite dans 6 mois. Je te l'avais pas dit, il me reste une vingtaine de mille francs de ma pauvre mère. Et puis j'ai quelques économies et alors faisons l'affaire. La tondeuse, une paire de sécateurs, voilà. Le plantoir, oui, la baignoire, la malle. Oui, s'il manque quelque chose, on le trouvera sûrement sur place. Oui, alors il y a le lit d'armoire, le linge, bon, bah, voilà. Et ben ça y est, tout est prêt. Voilà. La malle à vaisselle, voilà. À quoi penses-tu ? Non, je me rappelle les jours heureux passés dans cette ville. Hein, les restaurants, les soirées au théâtre. Même les disputes avec la concierge. Moi, je suis content de partir. Je ne regrette rien. Ah non, moi non plus. Non, mais tout de même. Votre bien là derrière. Oh non, une partie seulement.
Le reste est parti par Phénix. Il paraît que les transports par eau, ça fait moisir les meubles. Ça s'appelle comment, votre domaine? Chavignol. La campagne, c'est pas le tout, les messins, faut s'y connaître. Faut pas être feignant. Quand on achète une propriété, on s'expose à des tas d'imprévus. Il y en a beaucoup qui se sont fait rouler. Et puis des malins. Hein. Tiens, ben, je connais un commerçant, il a laissé sa santé. Un homme robuste, pourquoi? Nous n'avons pas l'intention de faire fortune, mais simplement de vivre, selon nos goûts. Regarde, t'as vu les vaches? Ça a l'air d'être des tasses à la chinoise. Oh, mais ça ne fait rien. On n'arrivera pas avant demain soir à la nuit. Nous avons tout le temps. Et avant de la pluie du côté d'Evreux. What? Ah, les chemins sont de plus en plus mauvais dans cette région. Non, ça va. Hein? En route vers la Normandie, rien ne pouvait casser leur optimisme. Bouvard guettait les réactions de Pécuchet, qui ne connaissait pas la maison. Nos affaires sont là, très bien. Oh, quelle merveille, tu as vu? Oh, nous y sommes. On a fait un feu dans la pièce. Oui, j'ai demandé qu'on nous prépare un petit repas. Allez, viens. C'est un moment très émouvant. Ah oui, très. Ah, la pendule est là. Mes bouquins sont arrivés, ça me fait plaisir. C'est la cavalière, bien. Mon fauteuil. La salle à manger est par ici. Viens. Ah! Bonjour, messieurs. Je vous sers tout de suite? Ah oui, Germaine, nous sommes morts de faim. Tu veux un coup de cidre? Oh, volontiers. Ça vous plaît? C'est bon? Ah, très bon. C'est très, très, très bon. On devrait se le faire. Ça se sent. Ah, quel bonheur d'être ici. Tu ne trouves pas? C'est comme un songe. Tu crois? Et puis là, des sous. T'es sûr? On dirait de la salade? Non, c'est des sous. Tiens. Ce sont des arbres en espalier. Des poiriers? Je crois, oui. Je dirais qu'il y a déjà des bourgeons. Oh. Oui. Oh. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Une araignée est là. Ah, je vois. Les araignées ne sont pas dangereuses sous ces climats-là. Oh, je sais bien, mais tout de même. Écoute ce silence. Ça a quelque chose de Dieu. Comme
si le temps s'était arrêté. Comme c'est beau, hein. Ah oui, c'est très beau. Je comprends pourquoi les gens de la campagne sont meilleurs que ceux des villes. Oh. Que cet air est bon. Par quoi commence-t-on? Il nous faut aller à la ferme. Après quoi nous attaquerons le jardin. Tout me dit qu'il en a besoin. Ils partirent pour la ferme. Marchaient sur leur terre, au soleil, et tout leur semblait beau. À la ferme, ils firent connaissance du fermier et de sa femme. Ils annoncèrent qu'ils désiraient faire une inspection. Aussitôt commença la kyrielle des plaintes. Tous les bâtiments avaient besoin de réparation. Il fallait aussi creuser la mare. Il fallait des ferments neufs aux barrières. Sans parler des pommiers, trop vieux, qu'il fallait remplacer. Quant aux cultures, elles mangeaient trop de fumier. Et la mauvaise herbe était un poison. Bouvard fit le connaisseur et promit tout ce qu'on voulut. Mais le plus pressé, c'était le jardin. Ils se mirent aussitôt au travail. Ils piochaient, ils sarclaient, ils émondaient. Ils battaient les arbres pour les délivrer des chenilles. Pécuchet avait une passion pour le jardin. Il passait avec ses petits pots des heures délicieuses. Qu'est-ce que vous faites dans ce trou? Mais nous faisons du compost, Germaine. Nous recueillons tous les détritus, végétaux et animaux, pour les réutiliser. Pour enrichir la terre. Nous aurons des montagnes de fruits, des avalanches de légumes. Vous allez voir. Toutefois, il nous manque du fumier de cheval, qui est si utile pour les couches. Je vais en faire, François, je vais en faire. Pécuchet alla donc lui-même au crottin. C'est au milieu de cette occupation qu'il rencontra pour la première fois Madame Bordin, une personnalité des environs. Bouvard décida de cultiver lui-même la ferme. Ils rendirent visite au comte de Faverges, agronome réputé, qui leur offrit de visiter son domaine. Vous nous avez montré une belle luzerne. Oui, elle est assez bonne, malgré les ravages de la cuscute. Maintenant, je sème des turnips. Le turnip est la base de ma culture quadriennale. Et que faut-il penser de la prairie artificielle? Elle est nécessaire, vu le nombre de mes bestiaux. D'ailleurs, c'est un bon précédent pour les autres récoltes, ce qui n'a pas toujours lieu avec les racines fourragères. Ça, au moins, c'est incontestable. Incontestable. Bonjour, les amis. Bonjour, bonjour. Tu as vu leurs muscles? Ah, c'est impressionnant. Hein. Les villes sont une aberration. Là, j'ai l'impression de me retremper aux sources. Je ne vois rien de plus mystérieux que la fertilité de la terre. C'est comme une mer inépuisable. Je suis émerveillé, François. Il n'y a rien de plus beau que de nourrir les hommes. Voici la maison rustique en 4 volumes. C'est un trésor. L'architecture des jardins. L'art de sélectionner les semences. Oh! Quoi? Le puvis. Oh. Excellent, paraît-il, le puvis. J'ai pensé nous abonner à un journal d'agriculture. C'est une très bonne idée. Puis il nous faudra aussi une carriole pour aller aux foires. Ils achetèrent une carriole et ils se rendirent aux foires, habillés en paysan. Ils rôdèrent autour des bestiaux. Ils questionnèrent des laboureurs, des maquignons. Ils participèrent à des comices agricoles où ils donnèrent leur avis. Qu'est-ce que c'est, ça ?
Pour devenir agriculteurs et éleveurs, ils achetèrent tous les instruments indispensables, plus 4 chevaux, 12 vaches, 6 porcs, 160 moutons. Ils engagèrent du personnel, ils eurent un gros chien. Ils arpentèrent, ils mesurèrent, ils avaient des projets magnifiques. Ils connurent un peu plus tard leur premier déboire. Des orages, des vols. La fille de la basse-cour devint enceinte. Il leur fallut intervenir vigoureusement pour calmer les choses. Il y eut des larves dans les couches. Les greffes se décollèrent. Les semis furent une désolation. Pécuchet manqua les brocolis, les aubergines, les navets, même le cresson et les artichauts. Tiens, regarde ce chou. Oh, il me console de tout. N'est-ce pas qu'il est prodigieux? C'est un véritable phénomène, mais absolument incomestible. Sans se décourager, ils s'acharnèrent au travail. Ne se fiant à personne, ils traitèrent eux-mêmes les animaux. Ils saignèrent les bœufs tous les 15 jours. Pendant les grandes chaleurs, 25 moutons crevèrent. Ils essayèrent les melons. La nuit, Pécuchet se relevait pour aller mettre sur les châssis la couverture de son lit. Commence à m'irriter, ces melons. On dirait qu'ils font tout pour être mauvais. Oui. Ils furent alors saisis par le délire de l'engrais. Ils supprimèrent les lieux d'aisance, recueillirent toutes les déjections, se firent apporter tous les cadavres d'animaux. Une pompe crachait du purin sur les récoltes. Ah, voilà. Oh, madame. Hein? Les gens se plaignent de l'odeur, mais moi je dis, c'est de l'or. Vous ne vous rendez pas compte? C'est de l'or. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est du guano. Oui, du guano, ou bien du varech. Non, non, le guano, c'est mieux. Tout ce qui vient de la bouche retombe vers la terre. Heureux les pays où on trouve des grottes naturelles pleines d'excréments d'oiseaux. Tiens, des stratus. T'es sûr? Ah, il me semble. Eh oui, il me semble bien, à moins que ce soit des cirrus. Oui, ce serait plutôt des cirrus. Tiens, là-bas, un nimbus. Cette classification des nuages est bien commode. Oui, elle nous permet de lire le ciel. Le colza fut chétif, l'avoine fut médiocre, et le blé se vendit mal à cause de l'odeur. Ils s'obstinèrent, la tête de Bouvard bouillonnait d'idées industrielles. Pour combattre une maladie des poules, il les enferma dans une cage à roulettes. Ça leur brisa les pattes. Toute leur culture, il ne restait que des meules de paille. Mais où, petit? Y a le feu chez vous! Oh mon Dieu! Une, deux! Comme les chasseurs de Vincennes! Thank you.
Oh, madame Lourdes. Les meules sont perdues, il faut vous faire une raison. C'est pas facile, la terre. Cette nature n'a pas de cause naturelle. Le feu ne se déclare pas spontanément. Veux-tu que je te dise ? Cette madame Bordin ne m'inspire aucune confiance. Mais tu n'irais pas jusqu'à la soupçonner ? Oh ! Tu sais ce que je constate ? Un déficit de 33 000 francs. Qu'est-ce que tu dis ? L'agronomie nous a ruinés. Si tu veux mon avis, il ne nous reste qu'à vendre la ferme. Quoi ? Et à nous consacrer à l'arboriculture. Et pourquoi l'arboriculture ? Parce que c'est le seul moyen de nous refaire des finances. Et comment ça ? Ben, tu ne t'en rends pas compte. Une poire qui revient à 3 sous. Dans la capitale se vend des 5 et 6 francs. Des jardiniers se font des 25 000 livres de rente. À Saint-Pétersbourg, en hiver, on paye le raisin 1 napoléon la grappe. Et qu'est-ce que ça coûte ? Des soins ? Du fumier ? Une serpette. Et quel arbre faudrait-il planter, à ton avis ? Ils commandèrent des tuteurs, du fil de fer, des cerceaux, des baguettes. Oh, ça va bien prendre, ça ? Ils s'adressèrent à un pépiniériste qui s'empressa de leur livrer 300 tiges qui ne trouvaient pas de placement. 6 mois après, les plants étaient morts. Ils replantèrent, sans se décourager. Levés dès l'aube, ils travaillaient jusqu'à la nuit. Ils taillèrent trop long, puis ils taillèrent trop court. Quand les premières poires parurent, ils luttèrent avec énergie contre les moineaux, qui semblaient se moquer de leur épouvantail. La nuit, le bruit des grelots les réveillait. Le vent secouait les tuteurs. Ils pensaient aux poiriers qui s'entrechoquaient. Une nuit, enfin, la tempête abattit sous leurs yeux l'ensemble de l'installation. Favorisés. Nous aurions pu tout de même espérer quelques fruits. Nous avons peut-être trop d'idées. Plus on a d'idées, plus on a de souffrances. Tu sais, j'ai envie de me débarrasser de tout ça pour m'établir autre part. Ce sera comme tu voudras. Qu'est-ce que tu veux comprendre ? L'encyclopédie de Roray combat l'usage de la marne. Au contraire, Puvis la recommande. Mais pour le plâtre, c'est la même chose. C'est tout de même invraisemblable qu'en plein 19e siècle, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour la sève, c'est pareil. On nous recommande de la contrarier. Mais les arbres qu'on ne taille jamais portent néanmoins des fruits. Moins gros, certes, mais plus savoureux.
J'exige qu'on me donne une raison. Si chaque individu demande des soins particuliers, où est la règle? Quel espoir avons-nous? Pourquoi écrire des livres si on ne sait rien? C'est exactement ce que je me dis. On ferait mieux de placer le capital dans une banque. Dans 6 mois, on le doublerait sans se fouler le tempérament, le capital ou ce qu'il en reste. Et si l'arboriculture n'était qu'une blague? Et l'agronomie aussi, peut-être. Dis donc, je pense à quelque chose. Dis-moi. Depuis que nous sommes ici, nous avons vécu comme des ours. Si nous recevions à dîner les notables de la région, tu vas te lancer dans les réceptions. C'est un gouffre. Mon huître a un petit goût de vase, il me semble. Pardon? Oui, la mienne aussi. C'est un peu fort, tout de même. L'aubergiste nous paiera ça. Oh. Germaine, Marie, apportez les huîtres. Oh, un goût de vase, non, si près de la mer, c'est inadmissible. Il devient très difficile d'avoir des bons produits aujourd'hui. Surtout depuis que les idées républicaines sont dans l'air. Oh, la République, une fois devrait suffire. Et pourtant, non. On y revient. Trouvez une cochonnerie que les républicains n'aient pas faite. Et de suite, je donne ma démission. Oh, docteur, non. Tous les républicains ne sont pas des voleurs, tout de même. Je ne dis pas que tous les républicains sont des voleurs. Mais ce que je garantis, c'est que tous les voleurs sont républicains. Et tous les cochons aussi. Il ne cesse de troubler le bon ordre de l'État. Et un État doit être gouverné par les meilleurs. C'est indiscutable. En s'appuyant sur la religion, sur les bonnes mœurs. Même sur la noblesse, s'il le faut. D'ailleurs, Monseigneur de Quélon l'a dit en chair à Notre-Dame, non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais encore il était d'excellente famille du côté de sa mère. C'est tout dire. Un peu de Bourgogne, avec la noyau. Merci. Mais dites-moi, il est bien trouble. Ah oui, vous avez raison. Germaine, apportez le Saint-Julien. Saint-Julien est beaucoup trop jeune. Qui pouvons-nous? Et votre ferme, à propos? Elle nous donne bien du souci. Vous n'êtes pas dans l'intention de la vendre? Ah non, pas précisément. Pas même le terrain des écailles. Ce serait à votre convenance, Madame Bordin. Les prétentions de Monsieur Bouvard seraient trop fortes. On pourrait peut-être l'attendrir. Vous pourriez l'embrasser, par exemple. Oh, vous n'y pensez pas. Essayons tout de même. Voilà. Vous aussi, monsieur le curé. Ah, ça porte bonheur. Voilà. Merci. Madame Bordin. Voilà. À votre santé. À votre santé. Bonne santé. Il est bon, mais il mériterait d'être plus frais. Et maintenant, une petite surprise. Depuis 2 mois, mon ami Juste Pécuchet et moi-même avons rudement travaillé. Allons voir le résultat. Renonçant à l'agriculture décevante, il s'était consacré pendant 2 mois à l'ornementation du paysage. Qu'est-ce que c'est? Vous avez mis le feu au jardin?
Mais madame, ce sont des ruines. Des ruines de quoi? Des ruines de rien. Ce sont des ruines à l'anglaise. L'idée nous en est venue en lisant l'ouvrage de M. Boitard, L'architecture des jardins. C'est le genre romantique, mélancolique. Ah. Vous êtes dans la pagode chinoise. Oh, on peut visiter. Je me ferai une joie. Et voici le tombeau étrusque. Plus tard, nous y ajouterons une urne. Et une inscription, là. Et ici, un pont, Jean Rialto. Venez, venez. Vous n'avez pas d'eau dans le bassin? Non, 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 il fuit un peu. Il faut attendre que la glace se fasse. Vous y avez incrusté des coquilles de moules? Oui, ça nous a occupé plus d'une semaine. Le ciment ne prenait pas. Et là, le rocher central, comme une sorte d'obélisque. Le tilleul, vous l'avez abattu? Non, comme s'il était renversé par la foudre. Une image romantique. Il était déjà à moitié mort. Bon, ce coin, franchement, c'est un peu sale. Hein? Avec une taille pareille, vous n'obtiendrez jamais de fruits. Ah, les fruits, on s'en moque bien. Un verre de vin. Donnez-moi un verre de vin. C'est Gorju, un ancien menuisier. Non, Gorju, éloignez-vous. On ne demande pas l'aumône. J'ai fait 7 ans de guerre en Afrique. Je relève de l'hôpital. Je suis sans travail. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'assassine? Marie, allez chercher une bouteille de Bourgogne. Vous avez peur de moi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? C'est scandaleux. Il faut faire quelque chose. Eh bien, je m'en vais. Vous voyez où ça peut nous mener? Vos belles idées républicaines. Bonsoir. Il faudrait tout de même des réformes. Ah oui. Mais... Pour faire botter ces gens-là. Ah, monsieur le curé. Bonsoir, les amis. Vous savez... Ce simulacre de tombeau au milieu d'un jardin ne me paraît guère convenable. Bien, merci. C'était très amusant. Bonsoir. C'est bête, ces arbres. Ce sont des jaloux, c'est tout. Le repas n'était pas si mauvais puisqu'ils se sont goinfrés comme des ogres. Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile. Le tombeau pas convenable, pourquoi? Je veux même m'y faire enterrer. Que penses-tu de Madame Bordin? C'est une intrigante. Eh bien, puisqu'ils sont tous bêtes et mesquins, nous vivrons seuls sans voir personne. C'est pas le travail qui manque. Ils se mirent à fumer des jambons par économie et à fabriquer des conserves. Car à mesure que leurs études se développaient, ils soupçonnaient des fraudes dans toutes les denrées alimentaires. Oui. Oui. Ils achetèrent le matériel d'un distillateur en faillite et ils abordèrent les liqueurs fines. Ils mirent au point une liqueur qui devait enfoncer toutes les autres. Après avoir longtemps cherché un nom, ils l'appelèrent la Bouvarine. Ils se considéraient comme des gens très sérieux, occupés de choses utiles. Un soir,
Pécuchet voulut vérifier les conserves. La désillusion fut complète. Des champignons avaient poussé partout. François, viens voir. Tout est perdu. Mais comment ça se fait ? Cette odeur intolérable, nous avons... T'as arrêté l'alambic ? Bah oui, pourquoi ? Bah ça va nous. Mais pourquoi ? Pourquoi tous ces malheurs ? Rien. Mais un peu plus et nous étions morts. C'est que peut-être nous ne connaissons pas la chimie. Découragés par leur tentative et convaincus de leur ignorance, Bouvard et Pécuchet décidèrent de se lancer dans l'étude de la chimie. Je vois bien qu'il y a les corps simples et les corps composés. Mais pourquoi dit-on que les corps simples sont peut-être composés ? Non, mais ça, c'est la même chose pour les acides et pour les bases. Un corps peut se comporter comme un acide ou comme une base, suivant les circonstances. C'est commode. Mais sais-tu que la Terre, comme élément, n'existe pas ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Ben tiens ! C'est là. Et que l'homme contient du phosphore comme les allumettes. Et de l'albumine comme les blancs d'œufs. Tout de même incroyable, c'est que... le diamant ne soit que du charbon. Là, je t'avoue que je me perds un peu dans la théorie des atomes. Moi aussi. Ah, les atomes. Pour les atomes, hélas, il nous faudrait d'autres instruments. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ce sont des planches anatomiques que m'a confié le docteur. Ça doit être intéressant, l'anatomie. Hein. Bah, je pense bien, mais c'est la base de tout. Métacarpienne, le sphénoïde. Sais-tu pourquoi l'épine dorsale est si forte ? Non. Ben parce qu'elle est courbe. Si elle était droite, elle serait 16 fois moins forte. Pourquoi précisément 16 ? Ça doit être véritablement passionnant de savoir comment nous sommes faits. Hein ? Doucement, doucement, hein, c'est précieux. Oui. Doucement. Voilà, c'est là, venez. Les poumons et le cœur. Oh. On dirait un gros œuf. Et là, plus bas, tout le paquet d'entrailles. Oh. À la besogne. Comme c'est complexe, un organisme. Et en même temps, c'est si simple. Oh, mais. Et si mystérieux, au fond. C'est vous, Germaine ? Germaine, c'est vous ? Alors, on dit que vous avez un mort dans votre maison. Un mort ? Mais voyez vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, voilà. Le muscle buccinateur. Un pareil objet, vous avez le droit de le posséder ? Mais c'est pour l'étude. N'importe. J'ai bien envie d'écrire au préfet. Dans quel pays vivons-nous ? La France, un pays de sauvages et de rétrogrades. J'ai lu quelque part qu'il faut souffrir pour la science. Eh bien, je m'aperçois que c'est vrai.
Pour se perfectionner en anatomie, ils empruntèrent des livres au docteur Vaucorbeil et prirent en note des exemples de curiosités extraordinaires. Écoute ça. Il y a un piémontais qui n'allait à la selle que tous les 20 jours. Et la ville d'Angoulême a eu un maire dont le nez pesait 3 livres. Oh non. Bigre. Quelquefois, il démontait complètement le mannequin et se trouvait embarrassé pour remettre en place les morceaux. Ils finirent par s'enlacer. Oh ! Si on le remettait dans la boîte. Excellente idée. De toute façon, il est découpé arbitrairement. Si ça se trouve, tout est faux. J'en connais un qui va être content. Qui donc ? Pas le docteur. Il va nous dire, mes pauvres amis, pour vous, ces études sont trop rudes. Oh, peut-être que la science lui appartient. Tu sais ce que nous devrions faire ? Nous devrions apprendre la physiologie du corps humain. Mais t'as raison. Car tout repose là-dessus. Ils se lancèrent dans la physiologie expérimentale. Ils mangeaient très lentement et suivaient par la pensée le bol alimentaire jusque dans leurs entrailles, et même au-delà. On les vit courir à l'ardeur du soleil, revêtus d'habits mouillés, pour vérifier si la soif s'apaise en appliquant de l'eau sur l'épiderme. Ils rentrèrent haletants et tous deux avec un rhume. Ils essayèrent de vérifier si le poids d'un homme décroît à chaque minute par dégagement d'une vapeur subtile. Ils voulurent savoir si la chaleur animale se développe par les contractions musculaires. Agite tes muscles pelviens. Oh, je ne fais que ça. Agite tes pectoraux. Oh, c'est froid, décidément. Et ça chauffe pas non plus. Oh, je me remue pourtant. Ouais, c'est. Ça va? J'avais pensé lui injecter du phosphore, mais maintenant je penche plutôt pour l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière. C'est plus radical. Parfait. Allons-y. Ils firent des expériences sur un chien, sur des pigeons, sur des petits chats. Elles échouèrent toutes. La physiologie les décevait. On ne pouvait vraiment rien savoir de précis, pas même quelle est la force du cœur. Ils vécurent un mois dans le désœuvrement. Ils étudièrent l'audition, la phonation, la vision. Quand ils en vinrent à la génération, Pécuchet dut avouer à son ami qu'il possédait encore sa virginité. Un colporteur leur vendit le manuel de la santé par François Raspail. Enthousiasmés, ils commandèrent plusieurs grands ouvrages de médecine. Ils apprirent d'abord que toutes les maladies viennent des vers et qu'il faut les soigner par le camphre. Madame Bordin avait une tache bizarre sur la joue, ils proposèrent de la soigner à leur manière. Elle accepta à condition d'être soignée par Bouvard. En un mois, elle était guérie. Enhardis par ce succès, ils se lancèrent sérieusement dans la médecine et sous prétexte de philanthropie, ils commencèrent à visiter des malades. C'est le médecin qui vous a prescrit ça ?
c'est le médecin. Hein? C'est quand même extraordinaire que ce qui est un calmant pour l'un puisse être un excitant pour l'autre. Et qu'un vomitif soit aussi un purgatif. Aide-moi. Tu entends quelque chose? La situation sanitaire de ce département est intolérable. Il faudrait écrire au roi pour que soit créé ici un institut de garde-malade. À mon avis, cette femme est trop chaude. Elle doit nous faire une méningite. Oui, c'est possible. Il faudrait essayer de contrecarrer la phlegmasie. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous fichez là? Pour la balance, c'est pour la rafraîchir. C'est excellent contre la méningite. Vous allez foutre votre camp! N'ayez pas peur, c'est un peu froid. Mais ça n'est pas douloureux. Mais c'est très utile. C'est bien ce qu'on me disait, mais je ne voulais pas le croire. Vous aussi, vous cédez à cette mode abominable. Non, ce n'est pas une mode. C'est une nécessité thérapeutique. L'obscurantisme n'est pas mort, François. Donnez-moi ça. Ah, oh, mais comment là, donnez-moi ça. Voilà. Encore. Oh, ah, ah, ah. C'est bien. Quoi, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un véritable meurtre. Pourquoi? Pourquoi? Il voulut perforer l'intestin. Monsieur, la fièvre typhoïde est une altération de sa membrane folliculaire. Pas toujours. Mais si, toujours. C'est pourquoi j'éloigne tout ce qui peut surexciter. La diète affaiblit le principe vital. Qu'est-ce que vous me chantez, là, avec votre principe vital? Comment est-il? Qui l'a vu? Alors, vous êtes un empirique. Nullement, mais en observant le malade... Monsieur l'observe mal. Lequel de nous deux choisissez-vous comme médecin? Très bien. Puisque vous balancez entre un homme nanti d'un diplôme. Pourquoi riez-vous? Parce qu'un diplôme n'est pas un argument. Nous le verrons devant les tribunaux. Faites-vous tuer par ce monsieur, si vous voulez. Mais ne m'appelez jamais plus! Qu'est-ce qui va pas, François? J'ai prescrit au maire des pilules d'aloès. Il prétend que ça lui a donné des hémorroïdes. Il menace de dommages et intérêts. Et moi, vos corbeilles veulent me faire un procès. Ah, c'est bien difficile d'aider les gens. Hein. Ah oui, mais dans le fond, les ressorts de la vie nous sont cachés. On ne trouve dans aucun auteur une définition convenable de la santé ou de la maladie. Moi, j'en viens à me croire malade. Toute la journée, je me demande, est-ce que j'ai des douleurs? Et je finis par en avoir. Hein. C'est bien simple, je sais plus quoi manger. D'après notre manuel d'hygiène, toutes les viandes ont des inconvénients. Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine. Bon, les légumes donnent des aigreurs, le macaroni provoque le rêve, les fromages, bon, on dit qu'ils sont d'une digestion difficile, moi je sais plus quoi manger. J'ai même lu qu'un verre d'eau pris le matin peut être dangereux. Oui, quant au café, ça, oh, on n'en parle pas. Et le chocolat, il n'y a rien de plus indigeste. Oui, bon, le thé peut-être. Bon, sauf pour les personnes nerveuses et moi en ce moment. Hein. Enfin, moi, depuis une semaine, j'ai des brûlures d'estomac, c'est terrible. J'ai des migraines terribles, hein, moi. Terribles. Oh. Et pourtant, j'ai lu dans le Becquerel que le porc est un bon aliment, que le tabac est innocent, et que le café est indispensable aux militaires. Dans le fond, l'hygiène, c'est plus de la bague. Allez, on finit la bouteille. Gervais, desservez. Une cuisse de canard. Hein. Oh, bien volontiers. Allez, à ta santé. À la tienne. La vie n'est bonne qu'à condition d'en jouir. Quelle bassesse de penser tout le temps au prolongement de son existence.
À la tienne, juste. À la bonne tienne, François. Et si on prenait le champagne dans le jardin? Oh, bonne idée. Oh, Germaine, champagne, du champagne. Mais il n'y en a pas du champagne. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Allez en chercher, allez au village. Oh, mais c'est loin comme tout. À cette heure-ci. Je vous somme d'y aller, vous m'entendez? Je vous somme. Oh, quelle quantité d'étoiles. Oh, puis on voit pas tout. Derrière la Voie lactée, il y a les nébuleuses. Au-delà des nébuleuses, il y a des tas d'autres étoiles. Et comment sais-tu tout ça? Je l'ai souvent regardé au télescope. La place Vendôme. Ouais, ouais. Tiens, là-bas, c'est la Grande Ourse. Et là? C'est Cassiopée, là, la Cassiopée. Ah. Ouais. Tu sais que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde. Oh, c'est fou, ça. Que je regrette de n'avoir pas fait l'école polytechnique dans ma jeunesse. Un rayon de la Voie lactée met 6 siècles à nous parvenir, si bien qu'une étoile, quand on l'observe, est peut-être déjà disparue. Mais crois-tu qu'il y a des hommes dans les étoiles? Ah ben oui, sûrement, il y a... il y a des commerçants, des gendarmes, des... on y fraude, on y tue, on détrône les rois... Tiens, une étoile filante. Ah. Des mondes qui disparaissent. Ouais. Si le nôtre, à son tour, faisait la cabriole, les citoyens des étoiles seraient peut-être pas plus émus que nous le sommes maintenant. Voilà qui renfonce notre orgueil. Eh oui. Mais quel est le but de tout ça? Il n'y a peut-être pas de but. J'aimerais tant savoir comment l'univers s'est fait. Oh, j'en peux plus, moi. Je vais me coucher. Percer le grand mystère, ils se lancèrent dans l'astronomie et dans les époques de la nature. Frappés par la majesté de la création, ils étaient fiers de réfléchir sur de grands sujets et leur tête s'élargissait. Ils passèrent à l'étude des germes sans grand résultat. Ils en arrivèrent à douter du microscope. Heureusement, ils découvrirent l'archéologie, la géologie et surtout l'étude des fossiles. Le curé les félicita, car la géologie, leur dit-il, confirme l'autorité des Écritures en prouvant le déluge. Le déluge. Qu'est-ce que ça signifie, les cataractes du ciel ? Si elle n'a pas de cataracte. Et une pluie qui dépasse les plus hautes montagnes, qu'est-ce que ça veut dire? Concevez que votre Moïse exagère diablement. Mais il faut toujours distinguer entre le sens et la lettre. Moïse a voulu sans doute inspirer la terreur à son peuple, voyons. Et cette masse d'eau, d'où viendrait-elle? Mais on a trouvé des coquilles sur les montagnes. Qui les y a mises, sinon le déluge? Elles ne poussent pas sur la terre comme des carottes. À moins que ce ne soit encore une des découvertes de la science. Mais, en tant que géologue, nous avons le droit de discuter religion. Le droit et même le devoir. Alors, que penser d'un livre qui prétend que la lumière a été créée avant le soleil? Quant à dire que l'homme a vécu en même temps que les mammouths, non. Moi, je dis non. Je dis même que l'homme n'a pas été nécessairement créé et qu'il descend peut-être bien du singe. Mais quand on compare le fœtus d'une femme, d'une chienne et d'un oiseau... Ah, monsieur Bouvard, ça suffit. Eh bien, moi, j'irai plus loin, monsieur le curé. Je dis que l'homme descend du poisson. Parfaitement du poisson. Toutes les traditions de l'Orient l'attestent. Et chacun leur sang au fond de lui, au contact de l'eau. Finalement, la géologie les déçut. La matière minérale se révélait ondoyante et fugace. Tout croule, tout se transforme. On ne peut même dans les pierres trouver aucune certitude. Voilà. Un jour, dans les odeurs de l'été,
Il rêvait aux sources cachées, à la sève des plantes, aux existences innombrables éparses autour d'eux, au vent, aux nuages. Il ne songeait plus à percer les mystères de la nature, ils étaient perdus dans sa force. J'ai soif. Moi aussi. Je voudrais volontiers quelque chose. C'est facile. Gorgu. Venez, je suis là, tout prêt. Que faites-vous maintenant, Gorgu? Je suis menuisier. Mélie, tu es là? Mélie! Elle est gentille, hein, et rude à l'ouvrage. Brave petit cœur, va. Quand je serai riche, je t'épouserai. Apporte-nous des verres. Asseyez-vous comme vous pourrez. C'est pas un château ici. Mais il y a des personnages là-dessus. Ah, c'est Hercule. Ben, Hercule et Omphale. Ou bien Samson et Dalila, non? Et ici, regardez, regardez. Adam et Ève en train de créer l'espèce humaine. Et ça, c'est ma foi vrai. C'est de l'époque Renaissance, ça. Hein, si vous voulez, je vous cède à bon compte. Oui, mais il y a une grosse réparation. Hein. Bon, on ne sait rien. Je peux vous les faire. Dites-moi, nous avons besoin de quelqu'un pour aider notre vieille Germaine. Est-ce que vous croyez que votre petite bonne accepterait? Mélie? Oui. On peut s'arranger. À votre santé. À votre santé. À votre santé. Le bahut Renaissance leur donna le goût des choses anciennes. En 6 mois, leur maison ressemblait à un musée, et ils la faisaient visiter. Ceci est un sarcophage gallo-romain, récemment découvert dans une auberge. Là, des cuivres. Une bassine noire. C'est une vasque grecque. Une plaque de foyer. Non, pénétrez dans la maison, je vous en prie. Ces deux urnes sont pleines de cendres humaines. Et là, c'est le cabinet des médailles. Combien ça peut valoir de nos jours? Oh, ça vaut quelque chose. Et là, ce vitrail nous vient de la cathédrale de Rouen. Et là, nous avons une soupière en vieux Rouen. En vieux Rouen? Ça m'étonnerait. On y vit si bien aujourd'hui. C'est de noix de coco, là. Je les ai depuis mon enfance. Et là, nous avons une pièce unique. Cette hallebarde servait à faucher les jambes d'un cheval, à perforer à ce... Mais ça, c'est juste un pichet de fibre. Ah non, non, pas n'importe lequel. Cette dame n'est pas très convenable. Se décolleter. Où est le mal, ma chère amie, quand on possède quelque chose de beau? Comme vous, sans doute. Oh, nous n'avons plus l'âge des folies. Oh, moi je ne dis pas non. Et ça? Ça, c'est une statue de Saint-Pierre, faite en 1817, et signée. Il a une tête d'ivrogne. Oui, si on veut. Ça doit coûter quelque chose, quand même, tout ça. Ah non, 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 pas trop, pas trop. Vous employez ce garçon? Oui, pourquoi? Un jour d'émeute, je ne m'y fierai pas. Le goût des antiquités les ramena à l'archéologie, l'archéologie les conduisit à l'histoire, mais là encore, ils ne voyaient rien de certain. On est d'accord sur rien, c'est inadmissible. Les uns disaient que la Révolution fut un événement satanique, les autres, qu'elle fut la lumière des temps modernes. François, je n'ai plus une idée d'aplomb. Mais est-ce qu'on peut tout connaître, tout, absolument tout, avant de se faire une opinion? C'est impossible, surtout à nos âges. Est-ce que...
Est-ce que tu nierais le plan de la Providence? Je ne le connais pas. En tout cas, c'est vrai. L'histoire change tous les jours. Rien n'est jamais fixé. Tout est contesté par tout le monde. Le Cid, par exemple, n'est qu'un simple bandit. Que peut-on croire? C'est vrai. C'est très décourageant. Bon, c'est même très triste. J'ai essayé de lire des romans pour me faire à la psychologique. Car on en a toujours besoin. Avec les domestiques. Mais Balzac... Pourquoi gonfler ce qui est plat? Pourquoi décrire tant de sottises? Paul de Kock, c'est du pareil au même. Bah oui, pourquoi perdre son temps à des inepties pareilles? Moi, je demande quelque chose qui m'exalte, qui m'enlève aux misères du monde. Ah, le théâtre, peut-être. Oui, prince, je languis. Je brûle pour Thésée. Je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de 1000 objets divers. Donne un peu plus de voix. Oui, respire à fond. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur, Phèdre est une reine qui est devenue folle du fils que son mari a eu d'une autre femme. Oui, allons-y. Volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs. Plus tard, Thésée arrive et elle s'empoisonne. Pauvre femme. Et maintenant, un peu de drame moderne. Du Victor Hugo, tenez. Des flammes de tes yeux inondent ma paupière. Je retirerai ton bonnet grec. Bien sûr. Chante-moi quelques chants comme parfois le soir tu m'enchantais avec des pleurs dans ton œil noir. Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous et le reste est folie. Comme vous êtes drôle. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on aime à genoux? Ah, laisse-moi dormir et rêver sur ton sein. Donia Sol, ma beauté, mon amour. Vous vous donnez un mal quand vous vous exprimez. On voit que vous avez aimé autrefois. Comment s'appelle votre dernier morceau? Hernani. Oh! Ce doit être bien agréable, un monsieur qui vous dit des choses pareilles pour de bon. Mais je suis à vos ordres. Vous? Ah, mais oui, moi. Quelle plaisanterie. Oh, mais pas le moins du monde. Oh! Vous avez vu? Voulez-vous mon aide? Inutile. Mais pourquoi? Vous êtes trop dangereux. Je voulais vous dire, si un jour vous songez à vendre votre terre des écailles, je vous en donnerai bien 1000 écus. 1000 écus, mais c'est ma meilleure terre. Oh, pour moi. Mélie, où êtes-vous? J'arrive. Ah, venez, j'ai besoin de vous. Vous n'avez pas vu Gorju? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous diriez si... Si je portais des moustaches. J'irai rien, monsieur. Ah, François. François, je suis tout à fait conquis par le théâtre. Tu sais à quoi j'ai pensé? Dis-moi. Nous pourrions composer une pièce. En partant d'un thème... Enfin, d'un thème simple.
D'abord, ils cherchèrent un sujet, c'est-à-dire l'inspiration. Ils la cherchèrent dans la maison et dans le jardin. Ils la cherchèrent dans la campagne, dans les forêts. Ils la cherchèrent dans la méditation silencieuse. Le sujet ne venant pas, ils se lancèrent dans l'étude de la langue et de la syntaxe. Ils se voyaient déjà jouer à l'Odéon. Mais j'étais fait pour être auteur. J'étais pas fait pour m'enterrer à la campagne. Et moi donc ? Mais un ressort dramatique. Comment inventer un ressort ? Comment échauffer le cœur ? Tout est là. Il suffit pas de suivre les règles, il faut du génie. Et le génie lui-même ne suffit pas, puisque tous nos grands auteurs ont été sifflés. Alors qu'on adore des âneries ! Notre littérature est sur la mauvaise pente. Des gens de goût se trompent. La foule aime n'importe quoi. Alors ? Oui, mais aussi comment s'y retrouver ? Qu'est-ce que le style ? Peux-tu me le dire ? Qu'est-ce que le beau ? Et le sublime ? Faut-il dire cette femme a l'air bon ou cette femme a l'air bonne ? Une troupe de voleurs sur 20 ou une troupe de voleurs sur 20. Qu'est-ce que le naïf, le tempéré, la tournure noble ? Existe-t-il une orthographe positive ? Il paraît que non. Il n'y a rien de plus bizarre qu'un grammairien. Veux-tu que je te dise, la syntaxe, c'est une fantaisie. D'ailleurs, maintenant, on dit qu'il faut écrire comme on parle. L'essentiel, c'est que ce soit senti. Qu'est-ce que tu dirais d'une femme qui ferait le malheur de sa famille ? Ou d'une femme qui serait vertueuse par défaut de conformation ? Ah oui. Ou bien alors, un ambitieux ! Ou un mauvais prêtre. De toute façon, l'essentiel, c'est le sentiment. Ah non, je ne trouve pas. Non, je trouve que l'essentiel... C'est l'image. Ah non. Mais c'est la couleur. Non. Comment, sans couleur, tu n'as rien ? Non. Alors là, ça m'étonne que ça t'échappe. Moi, je m'étonne que tu sois si borné. Ah, borné toi-même. Comprends-moi. Il faut une idée dans tout. Et les mots sont là pour exprimer les idées. Une roseraie, le chant des oiseaux, sont plaisants. Le courage, un tic, sont risibles, comme la girafe, le cactus. Un crapaud, un tas de fumier, sont repoussants. Tu me demandes ce que c'est que le beau ? Un cochon, par exemple, ne saurait être beau, vu ses habitudes immondes. Mais non, mais tu n'y es pas du tout. Un arbre tordu par la tempête, par exemple. Hein? Ou la mort sanglante d'un héros. Ça peut être horrible. Mais ça peut être beau. Alors quoi ? Nous ignorons aussi les lois du beau. Il y a pourtant un beau indestructible. Je commence à me dire que l'esthétique, c'est de la blague. Moi aussi. Et que les faiseurs de théories sont des imbéciles. Les esprits médiocres sont seuls incapables de fautes. Les fautes appartiennent au maître. Mais il faudrait donc les admirer, ces fautes ? Paris est couvert de barricades ! Louis-Philippe n'est plus roi ! C'est la Révolution ! Quoi ? Oui, on a proclamé la République ! La République ! Gorgules ! Où allez-vous, Gorgules ? À la mairie ! On a besoin d'un arbre de la liberté ! Ah, le brave garçon. La révolution de 1848 les enthousiasma. D'ailleurs, elle confirmait leurs prévisions. Ils y voyaient un signe éclatant de progrès, une promesse de bonheur. En ce jour où la République fête son arbre de la liberté, le Christ... Le curé tonna contre les rois, glorifia la République, et dit que l'arbre du peuple, c'est l'arbre de la croix.
Après quoi, il demanda au peuple de rentrer chez lui paisiblement. Jésus était sans nul doute républicain. Tout le monde se sentait soulagé. On affirmait que tout désormais devait être fait pour le peuple. Même si quelques esprits restaient inquiets, car ils voyaient au bout de cette agitation inévitablement la guillotine. Gorju devint instructeur de la garde nationale. En arc de cercle, nom de Dieu! Préparez pour les baïonnettes! En avant! Part! Oui. Oh, il faut faire attention. En avant-marche. Pour constituer les assemblées représentatives du gouvernement républicain, on parla bientôt de l'élection d'un député. On hésitait entre Fourreau, le maire, que certains tenaient pour un crétin. Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ouais. Article 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais. La loi du Gorju lui-même, mais qui buvait très fort et avait des fréquentations dangereuses, maître Maresco, le notaire, mais il tenait à son étude, ses affaires le réclamaient. Le docteur Vaucorbeil voulut se présenter. Il avait oublié sa querelle avec Pécuchet et il vint parler de sa candidature aux deux années. Ah, mes chers bons amis, ils sont là, bien sûr. Oh. Ça doit être magnifique de représenter le peuple, d'agir en son nom, de faire les lois. Magnifique. Mais lequel de nous deux devrait se présenter? Je trouve que ça te revient. Tu as plus de prestance. Peut-être, mais t'as plus de toupet. Finalement, le vainqueur fut un journaliste du périodique Le Calvados. Il connaissait à peine son nom. Juste ! On commençait à raconter des horreurs sur ce qui se passait à Paris. On parlait des orgies des Républicains. Dans la région, les fabriques chômaient. Et il paraît que Louis Blanc, tous les matins, mange une purée d'ananas. Une purée d'un... Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, du travail. Ils appellent ça le droit au travail. Et s'ils veulent du travail, il faut leur en donner. Il faut faire donner les gendarmes. Jamais supporté ça. Regardez. Citoyens, écoutez-moi. T'es ouvrier? Non. Patron, alors? Non plus. Alors, on tire quoi? Mais pourquoi? Non, lâchez-moi. Ouais. Non, lâchez-moi. Je dois parler, laissez-moi. Oh, mon Dieu, faites qu'il ne lui coupe pas la tête. J'ai besoin de la parole. Gorju fut arrêté pour délit de parole et condamné à 3 mois de prison. La réaction se dessinait. Le grand parti de l'ordre se formait. Les arbres de la liberté furent abattus généralement. On en offrit un morceau au curé, qu'il avait béni pourtant.
Bar et Pécuchet, pour en savoir davantage, rendirent visite à l'instituteur, dont les idées passaient pour avancer. Vous voyez comment on traite le gouvernement? Je ne peux même pas vous offrir quelque chose. Mais que faudrait-il faire, à votre avis? La seule façon de lutter contre le capital, c'est d'ordonner. Vous m'entendez bien? D'ordonner, ordonner la fraternité. Il faut désarmer les troupes, c'est urgent. Abolir la magistrature, décréter l'égalité des salaires. Et à la tête de la République, il nous faudrait un dictateur. Oui, parfaitement. Un dictateur qui nous mènerait ça rondement à un nouveau Robespierre, plus décidé que le premier. Je passais par ici et je voulais vous dire... Non, non, je vous en prie, je ne reste pas. Oui, monsieur Petit, on trouve que vous négligez un peu l'histoire sainte à l'école. C'est des choses plus utiles. Je ne fais ici que mon devoir. Je vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue la surveillance de l'instruction primaire. Moi, je le sais bien, elle appartient même au colonel de gendarmerie. Pourquoi pas au garde champêtre? Calmez-vous. Voici bientôt Pâques. J'espère que vous donnerez l'exemple en communiant avec les autres. Moi, communier. Bêtise pareille. Taisez-vous! N'oubliez pas que c'est votre femme qui soigne les linges de l'église. Et pourtant, elle manque toujours la messe. Comme vous, d'ailleurs. Eh bien, on ne va pas en mettre d'école pour ça. On peut le déplacer? Ouais, ouais, tous les mêmes. Je finirai mendiant sur les hautes. Ouais, d'accord. Tout ce qu'on voudra. Au revoir, les enfants. Je compte sur vous dimanche. Il y a toujours dans les révolutions une écume en haillons. De la population vicieuse des grandes villes, des hommes entre deux vins, entre deux sangs, des galériens, éperdus de dettes. La lie du peuple, monsieur le comte. Sans oublier le rôle que jouerait probablement le diable, comme en 1789. En tout cas, depuis que la bourgeoisie prêche le dogme des intérêts matériels, le peuple semble content. Il ne reste plus qu'à supprimer la chambre. Et à interdire les romans feuilletons. Mais vous exprimez des sentiments du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avait du bon, monsieur Pécuchet. Oui, la monarchie est sans doute le gouvernement naturel. La preuve, la société des abeilles. Mais, madame, est-ce que les fourmilières prouvent la République? Mais les républicains sont des blagueurs, vous le savez bien. Mais on a traité des insurgés d'une manière féroce. On a bien fait. Dès qu'on se révolte, on est incédérable. La forme de gouvernement importe peu. Mais moi, je soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. On voudrait tout abolir. Et les locataires se montrent déjà d'une exigence. L'autorité se meurt si on la discute. C'est clair, il faut rétablir l'obéissance. Et quand la troupe commence à fraterniser avec les émeutiers, eh bien, il faut tirer sur la troupe. À l'autorité. À l'autorité. À l'autorité. À l'autorité. Quels idiots, quelle bassesse. C'est moi qui croyais que les hauts plafonds étaient faits pour les hautes pensées. Et pourtant, notre terre pourrait être si belle. Car la science affirme sa maîtrise chaque jour. Que ne pourrait-on faire? Demain, avec le croisement des races, la vie humaine sera plus longue. On commandera au climat. On dirigera les nuages. Et la nuit, il pleuvra sur les villes pour les nettoyer. Les navires traverseront les mers polaires dégelées. Les femmes sont à tout le monde. Allez, viens, il faut nous mettre au travail. Viens.
crois-tu que tous les malheurs viennent de la contrainte? Pourquoi? Et c'est ce que dit Fourier. D'un autre côté, Rousseau conseille l'esclavage. Il dit que les sciences ont perdu le genre humain, que le théâtre est corrupteur, et que l'État doit imposer une religion sous peine de mort. Comment alors, sous peine de mort? C'est écrit là. Ouais, enfin, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Rousseau. Oui, moi aussi. Et même, on trouve beaucoup de choses ridicules chez les utopistes, chez Pierre Leroux et Fourier. Mais ils méritent notre amour, François. Car ils ont lutté contre la hideur du monde, la tête au ciel comme des héros. Mais tu crois que le monde peut changer à cause de la théorie d'un monsieur? Oui, oui, il ne faut pas se laisser croupir dans l'égoïsme. Il faut chercher le meilleur système. Non, et tu comptes le trouver? Mais certainement. Oui, toi. Oui, moi. Oui. Quoi? Quoi? L'Assemblée est dissoute! L'Assemblée est dissoute! Les députés sont emprisonnés! C'est fini, la République! Comment? Louis-Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale. Ben moi qui croyais vous faire plaisir. Enfoncez les démocrates! Vive l'empereur! La chambre est finie, grâce au ciel! Désormais, nous aurons une politique d'affaires. Veux-tu que je te donne mon opinion? Puisque les bourgeois sont féroces, les prêtres serviles, puisque le peuple accepte tous les tyrans pourvu qu'on lui laisse le museau dans la gamelle, Napoléon a bien fait. Le progrès, quelle blague! Et la politique, quelle saleté! Je me rends compte que la bêtise humaine est incalculable. Et plus la société se développe, plus j'ai l'impression que la bêtise augmente de volume. Moi aussi. Et la bêtise de la foule est aussi effrayante que celle des individus. Peut-être pire. Tout me dégoûte. Vendons plutôt notre baraque. Et allons, tonnerre de Dieu, chez les sauvages. Comme tu voudras. Désillusionnés de la politique, ils vécurent quelques semaines tristes dans un désœuvrement complet. Ils regardaient les pendules et l'horizon était toujours le même. Des habitudes qu'ils avaient tolérées jusque-là les faisaient maintenant souffrir, et dans leur tête, ils pensaient à des choses différentes. Jusqu'au jour où Pécuchet fut témoin d'un événement qui le bouleversa. Papa, écoute, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, je ferai tout ce que tu veux. Ne pars pas. Reste! Bois du champagne. Commande-toi des habits. Je te permets tout, tu m'entends? Tout. Et donne-moi 5, 10 sous. C'est pour le cocher. Tiens, voilà 5 francs.
t'épouserai dès qu'il mourra. Ça, je te le promets. Je peux te le jurer devant la Vierge, si tu veux. Je serai ta domestique. Je ferai tout. Ne pars pas. Tu as besoin de quelqu'un. Ne pars pas. Arrière, la vieille. Bonsoir. Tiens, prends ma chaîne. Prends-moi. Pécuchet venait de découvrir un monde, tout un monde, avec des tempêtes d'une profondeur infinie. Il se mit à rêver l'amour. Dans le fond, j'ai tort de me croire vieux. Mes pommettes ont gardé leur couleur, et pas une dent n'a bougé. Dis-moi, François. Oui. Que font les libertins pour séduire les femmes ? Mais... On leur fait des cadeaux. On les régale au restaurant. Et ensuite ? Ensuite ? Y en a qui font semblant de s'évanouir pour qu'on les porte sur un canapé. D'autres qui laissent tomber leur mouchoir. Chez toute femme, vois-tu, il y a une courtisane qui sommeille. Merci. Comment l'éveiller ? Il faut jamais croire ce qu'elles disent. C'est la première règle. J'en ai connu qui, sous l'apparence de sainte, étaient de redoutables messalines. Véritablement ? Véritablement. Avant tout, mon cher Juste, il faut être hardi. C'est tout le secret, la hardiesse. Alors, Mélie, ça va bien ? Ça va bien, oui, monsieur. C'est quoi votre genre d'homme, à vous ? Mon genre d'homme ? Vous les aimez grands et forts, comme monsieur Bouvard ? Oh non, pas du tout. Moi, j'aime les hommes plutôt petits. Vous avez beaucoup d'amoureux ? Moi, jamais. Je vais acheter une paire de bottines. Elles sont très jolies. J'aurais peur de les salir. Vous les mettrez le dimanche. Puis vous avez vu, j'ai coupé un peu de bois pour vous soulager. Et j'ai nettoyé les chaussures de monsieur Bouvard. Oui, j'ai vu. Lui dites pas que c'est moi. Hein. Bien, monsieur. Les deux amis se trouvaient l'un et l'autre frappés par les feux de l'amour. Mais ils se cachaient leur passion. Quelques jours plus tard, Bouvard, comme il était entendu, rendit visite à Madame Bordin. Gentil d'être venu. Asseyez-vous. Ah, qu'il fait bon chez vous. Vraiment, c'est là qu'il faudrait vivre. Notre maison à nous se dégrade chaque jour. Il y manque une femme. Une femme s'attache beaucoup à son intérieur. Et mon défunt mari me laissait faire dans la maison ce que je voulais. Il avait bien raison. Eh bien, monsieur Bouvard, à quoi pensez-vous ? À vos farces de jeune homme, sans doute ? Oh, madame Bordin, pas du tout. Venez vous asseoir. Comment se fait-il que vous soyez si lié avec ce monsieur Pécuchet ? Oh ! Il a l'air si peu fait pour vous.
Vos bras sont d'une rondeur merveilleuse. Arrêtez, voyou. Écoutez, je n'ai rien dit à mon ami, mais je vous aime. Mais enfin... Je vous aime depuis longtemps et je vous le demande, marions-nous. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Notre linge a une marque pareille, un B, Bordin, Bouvard. Nous unirons nos majuscules. C'est une idée charmante, mais... Mais je ne peux pas me décider avant la fin du mois. Oh, mais pourquoi ? À cause d'une affaire importante, je ne peux pas. Oh, et je vous préviens, monsieur Bouvard, bientôt, je vais vous demander une faveur. Oh, mais... Il est accordé d'avance. Alors, nous pourrions signer notre contrat jeudi prochain. Qu'en dites-vous ? C'est convenu. Ça, Émilie, j'ai songé à m'en aller d'ici. Ah bon ? Oui, pour... Vivre en Algérie, il paraît que l'existence y est moins chère. Vous viendriez avec moi ? En Algérie ? Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je vous aime. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Vous allez me faire du mal ? Non. N'aurais pas peur, mon petit ange. Et monsieur Bouvard ? Non, je te ferai pas de mal. Non. Sois tranquille, je lui dirai rien. Le jeudi suivant, lorsque Bouvard revint de son rendez-vous avec Madame Bordin, Pécuchet l'attendait en lisant un livre de médecine. Où étais-tu ? Oh, la sacrée garce ! Qui donc ? Ben, Madame Bordin ! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas te le dire juste, mais... J'avais décidé de la prendre pour femme. M'en doutais, et alors ? Et alors, j'ai eu la bêtise de lui promettre une faveur de son choix. Et sais-tu ce qu'elle m'a demandé ? La terre des écailles. Ben oui, mais comment le sais-tu ? Cette calculatrice espérait recevoir la terre des écailles en dot, tout simplement. Elle t'a refusé ? Je me suis entêté, elle s'est emportée. Elle a été jusqu'à dénigrer mon physique. Elle est avare, voilà l'explication. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu souffres ? Oui, beaucoup. Mais tu es malade, juste. Mais qu'est-ce que tu as ? Mais quoi ? Une maladie secrète. Toi ? Mais qui te l'a donné ? Ça peut être que Mélie. Mélie ? Oui. Elle aurait pu me prévenir, tu trouves pas ? C'est pas gentil de sa part. Est-ce que la passion résonne ? Oh, je sais pas quoi faire. J'ai honte. J'ose pas parler au docteur. Tu me décriras exactement tes symptômes, j'écrirai à un ami, et je dirai que c'est pour moi. Hein ? Tu ferais ça ? Mais bien sûr ! Et nous agirons comme il le dira. Et Mélie ? Mais Mélie ! Mais quoi, Mélie ? Nous allons la foutre à la porte ! D'où vient cet étrange besoin qui nous pousse vers les femmes ? On se le demande. Elles sont vaniteuses, chétives, perfides. Elles n'ont pas le goût de l'art, ni le sens de la beauté plastique. Sous leurs jupons, il y a l'enfer. Elles ont pourtant une mission importante à remplir sur Terre. Laquelle ? Elles sont destinées à être la compagne de l'homme. Sans doute. La femme a été peu ou mal étudiée. Nous avons des monographies complètes sur le ver à soie, sur les hannetons. Nous n'en avons pas sur la femme. Et quand on pense qu'on songe à les émanciper. Et comme l'a si bien dit Proudhon, on ne conçoit pas plus une femme législatrice qu'un homme nourrice. Ou bien alors... Bien alors, nous sommes en train de dire des imbécilités. C'est bien possible. Comment savoir si on est bête ? De toute façon, c'est le désir d'avoir une femme qui a suspendu notre amitié. Vivons sans elle. Comment a-t-on mal ? Ça va un petit peu mieux, oui. Juste, nous devons réagir contre le renoncement qui nous guette.
Bientôt, nous commencerons notre hydrothérapie. Voilà, et maintenant partez. Sans vous retourner. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent les joies et les bienfaits de la gymnastique. Ils s'initièrent d'abord à la poutre. Ils passèrent ensuite aux bâtons orthosomatiques, qui servent à redresser le buste, et aux massues de force que le charron leur fabriqua. Plus tard, ils en vinrent au saut à la perche, qui est recommandé par plusieurs auteurs, et recherchèrent des fossés. L'automne venu, ils établirent dans le fournil une bascule brachiale qui les laissait dégoûtants de sueur. Ils essayèrent à la même époque de devenir ambidextres, mais sans grand succès. Tu rencontrais Marie-Suze, ton vinaigre et moutarde et sa peau de cocu, mais t'as dit que t'as barbe dans de mon cul. Ah, ils apprirent par cœur les hymnes qu'il faut chanter tout en marchant. Ils en vinrent à l'escalade militaire selon la technique du capitaine de Bois Rosé, mais il leur fut impossible d'atteindre le deuxième échelon. Pécuchet aborda même les échasses, mais dans son orgueil, il eut tort d'employer tout de suite le grand modèle. Tu t'es pas donné un effort, au moins? Non, mais... Tu sais, c'est pas pour les hommes de notre âge. Alors, que faire? Ah, merci. À quelque temps de là, ils furent invités par le notaire, maître Maresco, à une séance de spiritisme, messieurs, qui faisait alors fureur dans la province. Comme Madame Bordin devait s'y trouver, Bouvard décida de ne pas y aller. Oh, les esprits? Quel idiot aussi. Et Pécuchet s'y rendit seul. Mais vous poussez, Pécuchet. Mais vous poussez sans vous en rendre compte. Qu'est-ce que je vous dis, non? Qu'est-ce que je lui demande? L'arche de Madame Bordin. Esprit, connais-tu l'âge de Madame Bordin? Comment? 5 ans? Les dizaines ne comptent pas. Elle ne bouge plus. Non plus. Je me sens vidé. La semaine dernière, j'ai communiqué avec Franklin et Jean-Jacques Rousseau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, rien de bien intéressant. Il paraît qu'on a vu des serins prophétisés annoncer des tremblements de terre. C'est pas prouvé. Et les escargots? Les facultés médiumniques des escargots? Vous y croyez? Mais d'où cela vient-il? Pas des esprits, au moins. D'un prolongement de l'action nerveuse, peut-être. Il se peut qu'un groupe de personnes dégage une impulsion magnétique et que... Oh. Attention! Elle bouge! Bah, on a dû se moquer de toi. Oh, je l'ai vu, je t'assure, la table bougeait. Bon. On va essayer que la corbeille s'est plus léger. Concentre-toi. Mais ça viendrait de quoi? Ben, des astres, voyons. Tous les corps animés reçoivent une force qui vient des astres. En la dirigeant, cette force, on peut même guérir des malades. Bon, allons-nous. Évidemment, la foi est indispensable, c'est comme dans tout. Toi, avec ta constitution robuste, ton moral solide, il n'y aurait pas un magnétiseur comme toi.
essaye quelque part. Longitudinale. Non, plutôt ascendante pour commencer et trilisite. Elle dort. Demande-lui ce qu'il faut pour la guérir, elle va te le dire. Elle-même ? Oui. Germaine, que faut-il pour soigner vos bourdonnements d'oreilles ? Dites-le-moi. Du bouillon d'ortie. Il faut du bouillon d'ortie. Oh. Oh. Je t'avais dit de mettre des gants. Hein? Très bien. Vous vous sentez mieux? Oui, ça va bien maintenant. Tu vois, ça marche. Tu es très doué. Nous pourrions nous remettre à soigner les malades? Avec le baquet de Mesmer, peut-être. Mais avec le baquet de Mesmer, il faut que les malades se mettent nus. Et alors? Alors que ferions-nous s'ils prenaient aux femmes des accès d'érotisme furieux? Ah, bah alors, le système depuis Ségur avec un vieillard. Prenez tous la ficelle. Voilà. N'ayez pas peur. Vous allez dormir très vite. Voilà. Ça a l'air de manquer de fluide. Peut-être c'est l'arbre qui est mal choisi. Attends. Étreins encore un peu le tronc de l'arbre. Pendant que je leur souffle dans le nez. Tremblements ont cessé, l'effet commence. Embrasse ! Ridicule ! Ridicule ! Ne riez pas, monsieur le médecin, ne riez pas ! Cet homme est en transe. Il peut décrire ce qui se passe en ce moment dans votre propre maison. Ah bon ? Eh bien, à quoi ma femme s'occupe-t-elle ? Vous avez entendu ? Que fait madame Vaucorbeil ? Un coup des rubans sur les chapeaux de paille. Pas très concluante, votre expérience. Peut-être à cause du soleil, il paraît que c'est contraire au fluide. En Orient, on a vu des brahmanes marcher au plafond, la tête en bas. Oh. Et le grand lama du Tibet se fend les voyaux pour rendre des oracles. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Moi, j'ai connu un chien qui était toujours malade quand le mois commençait par vendredi. Vraiment? Ne vous moquez pas. La science est un monopole aux mains des riches. Elle exclut le peuple. Le spiritisme est une revanche du peuple et il ira en se développant. Mais il gagne tous les jours. Allan Kardec a publié des textes qui lui avaient été dictés par saint Augustin. Cela ne peut pas se nier. Ah, ma femme, tu tombes bien. Peux-tu me dire ce que tu faisais il y a une heure environ? Que je faisais? Oui, il y a une heure. Tu cousais des rubans sur ton chapeau de paille? Oh. Oui, voilà. Oh. Ah, ah. Voilà. Alors? Une coïncidence, ça ne prouve rien. Comment une coïncidence? Mais c'est une preuve scientifique! Mais c'est une preuve scientifique! Peut-être faut-il voir tout cela. Tout simplement... les démons. Y aurait donc une sorte de fluide? Mais évidemment. Tiens, je vais t'expliquer comment ça se passe. Après la mort,
les esprits sont transportés dans les mondes supérieurs. Mais certains humains possèdent derrière la tête une trompe aromale, comme ceci. Mais naturellement invisible, qui, depuis les cheveux, monte jusqu'aux planètes pour converser avec les esprits de Saturne. C'est un échange continu. Et tu crois vraiment? Mais bien sûr. Swedenborg y a fait de très grands voyages. Il a exploré 23 fois Jupiter. Il a vu Saint Paul, il a vu Moïse, et il a même vu le jugement dernier. Mais que font les anges, par exemple? Eh ben, ils font comme nous, ils écrivent. Ils parlent des choses du ménage ou de matière spirituelle. Et l'enfer? Alors là, ça sent mauvais. Avec des tas d'immondices, des cahutes, paraît-il, puis des personnes mal habillées. Il faudrait donc admettre une substance entre le monde et nous. Il y a une essence, François. C'est comme dans tout. Un agent secret et universel. Une force incroyable. Nous la ressentons bien tout de même. Si nous pouvions la tenir, cette force, nous n'aurions plus besoin ni du temps, ni d'aucun effort. Nous serions maîtres de notre avenir. On dit qu'un Bavarois mûrit les raisins par sa seule volonté et qu'à Toulouse, un homme écarte des nuages. Et les Orientaux, alors? Comment peut-on devenir magicien? Le cercle, c'est pour enfermer les esprits animaux. Tu comprends? Ils doivent aider les esprits ambiants à intervenir. Tiens, je te défie d'entrer dans le cercle. Oh. Essaye. Pour l'entrer dans le cercle? Oui, essaye donc. Oh, et puis tiens, hop! Non, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit entrer dans le cercle. Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Faire apparaître un mort. Un mort? Mais c'est possible? Parfaitement. Les exemples de revenants sont innombrables. Mais quel mort? J'ai pensé à ton père. À mon père? Aurais-tu peur? Non, non, mais... Alors? Mais c'était au plan. Pendant que je prépare la chaufferette. C'est pourquoi la chaufferette? Chut! Parle le moins possible. Qu'est-ce que tu vas acheter? Du soufre, évidemment. Quel jour sommes-nous? Vendredi. 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 Vendredi, c'est le jour du démon Béchette. C'est donc lui que nous devons invoquer. Lis ça. Mais où? Là. À haute voix. Vas-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr, à haute voix. Par Enatiel, par Amazin, par Ischiros, par Athanatos. Tu crois que mon père va venir?
son âme. Non, t'arrête pas, continue. Par Adonai, par Sadaï, par Eloi, par Massias, je te conjure, au Bé... On dit Béchet ou Béchet ? Béchet, je crois. Je te conjure et je t'ordonne, ô Béchet, où es-tu ? Approche, je te l'ordonne. Chut. Il me semble que je sens quelque chose. Oui, comme un souffle impalpable. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Si tu allais voir... Écoute. On dirait une âme en peine. Viens. Mais... Germaine! Mais que faites-vous là? Ah, mais si, j'ai cru que c'était le diable. Mais non, Germaine, ce n'était pas le diable. C'était nous. Oh! Dès lors, abandonnant toute autre recherche, ils s'appliquèrent à préciser les rapports de l'esprit et de la matière. Ils cherchèrent des sources et des trésors à la baguette. Hop, ça va. Ils se comprimèrent réciproquement la nuque dans l'espoir d'avoir des visions. Tout rata. Ils ne réussirent qu'à hypnotiser quelques dindes, ce qui alarma les paysans. Foutez le camp ! Alors, foutez le camp, je crève la meilleure ! Non, n'aide pas ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'entendre la voix des esprits. Mais par quel moyen ? À l'aide de ma trompe aromale. Mais j'en viens me demander si j'en ai une. Ils décidèrent alors d'approfondir leurs connaissances et se plongèrent dans la philosophie. C'est tout de même très beau, la philosophie. Très beau. Quand je pense à tout le temps que nous avons perdu dans l'agriculture, la littérature... dans la politique. Qu'est-ce que la matière, juste, et qu'est-ce que l'esprit ? Voilà la grande question à n'en pas douter. Moi, je me sens à la fois matière et pensée, tout en ignorant ce qu'est l'une et l'autre. L'âme est immatérielle, c'est certain. Je sens en moi quelque chose de supérieur à mon corps qui en est délivré. Je dirais même que l'âme est simple et spirituelle. L'âme n'est pas détachée de la matière, bien au contraire. Ah, mais elle disparaît avec nos organes. Et la pensée suit le développement du cerveau. Et regarde le nouveau-né. Non, l'exemple du nouveau-né n'est pas solide. Moi, je dis que l'âme est immortelle. Dieu n'a pas pu la concevoir autrement. Mais si Dieu n'existe pas? Mais le spectacle de l'univers dénote une intention, un plan. Crois-tu? Mais le mal est organisé aussi bien que le bien, alors? Assez vite... Ils trouvèrent beaucoup de verbiage dans la psychologie, beaucoup d'artifices dans la logique et trop d'incertitudes dans la morale. Moi, plus je vais, plus je me rends compte qu'il est difficile de ne pas douter. Si tu continues, tu vas sombrer dans l'abîme effrayant du scepticisme. Il n'effraie que les pauvres cervelles. Mais je te remercie du tout. Non, voyons. Mais juste. Veux-tu que je te dise, j'ai du mal à suivre Spinoza. Moi aussi, il me fatigue un peu. Dans le fond, la métaphysique ne sert à rien. D'ailleurs, on peut vivre sans elle. Hein. Pour oublier ses hautes pensées, ils tentèrent de se remettre au jardin. Mais des préoccupations sérieuses les poursuivaient.
Tu médites? Oui. À propos de n'importe quoi. De la pluie, du soleil, d'un gravier dans mon soulier. Les facultés de l'âme sont totalement mystérieuses. Cette matière primordiale, qu'est-elle dans? Ah, le doute. Le doute. J'aimerais mieux le néant. Et moi aussi, je me rends compte de l'insuffisance du matérialisme. Et franchement, je perds la boule. Quand je pense à Dieu, par exemple, je me dis que si Dieu avait un but, s'il agissait pour une cause, c'est qu'il aurait un besoin. Il manquerait d'une perfection. Par conséquent, il serait pas Dieu. Alors notre Terre ne serait qu'un ballon, entraîné dans une course sans fin, dans un abîme sans fond. Je le crains, oui. Ah, c'est trop fort. Ah oui, oui, t'as raison. Il commence à faire frais, rentrons. L'arrestation d'un malfaiteur fournit à Bouvard l'occasion d'une discussion sur la responsabilité que tout le pays trouva scandaleuse. On sera quand même plus libre de le savoir sous les verrous. Oui, mais faut-il vraiment le blâmer? Il avait un mauvais instinct, c'est tout. On en triomphe par la vertu. Mais si on n'a pas de vertu? On en acquiert. Et si on peut pas en acquérir? Vous niez le libre arbitre. Oh. Et cependant, moi, je peux faire ce que je veux. Je suis libre, par exemple, de remuer ma jambe, non? Non, monsieur, car vous avez un motif pour la remuer. Un républicain qui parle contre la liberté, c'est drôle. Comment se fait-il, monsieur Langlois, que vous ne donniez pas votre fortune aux pauvres? Mais parce que, pas si bête, je la garde pour moi. Si vous étiez Saint-Vincent de Paul, vous agiriez différemment parce que vous auriez son caractère. Vous obéissez au vôtre, donc vous n'êtes pas libre. Je trouve votre système d'une immoralité complète. Il innocente les coupables. Alors à partir de là, on peut tout discuter, plus rien ne tient. C'est la prison qui vous guette, vous aussi. Un malheureux qui suit ses appétits dans son droit comme l'honnête homme qui écoute sa raison. Nous parlons d'anormaux, de monstres, comme si la nature avait un but. Mais qu'en savons-nous? Mais il y a une providence, il y a des principes. Des principes? Mais quel principe? Quel principe? Avez-vous comme nous fouillé les arcanes de la métaphysique? Fouillé quoi? Un jour viendra où nous aurons raison. Mais pourtant ce que je veux, nom de Dieu! À mesure qu'il devenait objet de scandale, une faculté gênante se développait dans leur esprit, celle de percevoir la bêtise et de ne plus la tolérer. Tout les attristait. Les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. Ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Je n'ai plus envie de sortir, ni de recevoir. Moi non plus. Pour moi, le monde chaque jour diminue d'importance. Il n'est peut-être qu'une illusion. Qu'un mauvais rêve. Je ne crois même plus à la matière. Je suis découragé par cette énorme masse d'incertitudes et de stupidité. Je me sens devenir paresseux. Non, moi aussi. Je me rappelle le temps où nous étions heureux. Parce que nous étions bêtes. Par moments, l'idée de la mort me saisit. Mais, après tout, elle n'existe pas. Que veux-tu dire? On s'en va dans la rosée, dans la brise, dans les étoiles. On devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. Oui. On redonne à la nature ce qu'elle nous a prêté. Et le néant n'a rien d'affreux. Dans le fond, celui qui nous attend ressemble à celui d'où nous venons. Peut-être vaudrait-il mieux en finir tout de suite. Peut-être. Il n'y a rien de mal à rejeter un fardeau qui vous écrase. C'est bien loin d'être une lâcheté.
Mais comment on se tue? Le poison, paraît-il, fait souffrir. Pour s'égorger, il faut beaucoup de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Continue. Saccage, ne te gêne pas. Grand malheur, vraiment. Oui, un malheur. Je la tenais de mon père. Naturel. Tu m'insultes maintenant. Non, mais dis tout de suite que je te fatigue. T'en as assez de me voir. Tu vois que t'es drôle à regarder toute la sainte journée. C'est infernal, une vie pareille. Je préfère la mort. Adieu. Attends-moi. C'est toutes nos collections. Bon. Et quelle impression ça va faire dans la région? Que vont-ils dire? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la messe de minuit. Mais c'est Noël? Sans doute. À la messe de minuit qui leur procura un singulier bien-être. Seigneur leur apparut. L'évangile dilata leur âme, les éblouit comme un soleil. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. La Vierge Marie qui avait vraiment souffert et avait été immolée sur la croix. Pour les hommes, vous dans le sang de côté, à percer l'eau du sang. Ils abordèrent gravement l'imitation de Jésus-Christ et même la Bible. Pécuchet se mit à se signer en passant devant les calvaires. Ils prirent l'habitude de se rendre à la messe du dimanche. Même le comte et la comtesse de Faverges les saluèrent, ce qui fut remarqué. Un soir, Pécuchet avoua à son ami qu'il venait de se confesser.
Bouvard lui-même fit son examen de conscience. Il trouva qu'il manquait d'humilité et de chasteté. Il redoubla de vigilance et de pudeur. Comme son appétit de luxure, malgré ses efforts, se développait, il chercha refuge dans le travail. Ils finirent, comme beaucoup d'autres, par recevoir la communion. En se relevant de la sainte table, Bouvard heurta Madame Bordin qui lui sourit. Une semaine plus tard, manquant de plus en plus d'argent, il accepta de lui vendre la ferme tout entière. C'est gentil, une petite fille. Vous auriez pu en avoir. Il n'a plus qu'à vous. Comment ? Vous avez raté le coche, mon cher. C'est de votre faute. Madame, bonjour, monsieur. Je vais faire le tour du propriétaire. Oui, merci. Madame Gouy. Bonjour, madame. Pierre. Bonjour. Poursuivant dans la religion, ils achetèrent des articles de piété. Ça fait combien ? 3 sous. Ils firent un pèlerinage. Ils prièrent la Sainte Vierge de leur accorder une foi constante. Pécuchet, le plus fervent des deux, arrachait les mauvaises herbes revêtues d'une robe de moine en se comparant à Saint Bruno. Oh, je suis étonné, je m'attendais à une transformation. La chair de Dieu se mêle à notre propre chair, je ne sens rien. Es-tu sûr de t'être bien mortifié ? Oh, mais... Regardes-tu le monde comme un symbole ? Mais bien sûr. Si le tonnerre gronde, penses-tu au jugement dernier ? Oh, mais chaque fois ! Et le tic-tac de l'horloge me rappelle les battements de notre cœur mortel, et je ne lis que des ouvrages mystiques, et je ne parviens pas à la contemplation. Moi non plus. Je vais espérer parvenir à l'accord de la foi et de la raison. Je n'y arrive pas. Ils se mirent alors, selon leur habitude, à tout discuter. Mais si la chair est maudite, monsieur le curé, pourquoi remercier Dieu des bienfaits de l'existence ? Et si Dieu a créé l'homme porteur de péché, pourquoi le punir ? L'Église dit : il faut adorer sans comprendre. Oh, comment, ça ? Et pourquoi, si l'on croit au péché originel, pourquoi envoyer en enfer des païens, des enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises ? Certains pères de l'Église enveloppent dans leur condamnation même des fœtus. Ils avaient sans doute leur raison. Vous dites que Dieu est l'horloger suprême qu'il a établi toutes les lois du monde et pourtant il les viole par des miracles. Comment expliquez-vous ça ? Je n'ai pas à expliquer Dieu. S'il viole ses propres lois, c'est évidemment pour nous instruire. Mais oui, ah, voilà. Alors, drôle d'instruction, avouez. L'existence de Dieu est prouvée à la fois par l'ordre et par le désordre. C'est comme ça. Ce qui est abominable, c'est l'esprit de 89. On commence par contester Dieu, puis on discute au gouvernement. Moi, je lui dis très clairement, pas d'État sans Dieu. Et moi, je trouve que l'empereur donne un exemple déplorable aux Tuileries.
en laissant les maçons travailler le dimanche. Même la science est dangereuse. Elle peut faire le malheur du peuple en lui donnant des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques prenaient soin de lui. Maintenant, les industriels l'exploitent. Il va tomber en esclavage. Alors que le christianisme, avouez-le, accueille les déshérités. Il résout tous les problèmes de la terre. Mais le monde s'est élargi, la terre n'en fait plus le centre. Notre père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il a une habitation, Dieu. Il a un œil, il a un bras. Mais la religion doit changer nécessairement. Le paradis avec les bienheureux qui regardent d'en haut les souffrances des damnés. Non, monsieur d'enfantin. Quand on pense que le christianisme a pour base une pomme. Nier la révélation, ce sera plus simple. Qui me l'approuve, la révélation? L'Église. Beau témoignage. Dans ce cas, j'aime mieux vous dire, moi, je préfère le bouddhisme. Le bouddhisme. Ah, oui, parfaitement, parce que pour ce qui est des incarnations, Vishnu n'en a pas qu'une, mais neuf. Oui, c'est certain. Mensonge de voyageurs. Et soutenu par les francs-maçons. Riez, riez, riez comme vous voulez. Je vais me faire bouddhisme. Bouddhisme. Mais vous insultez les chrétiens. Oui. Les chrétiens, parlons-en des chrétiens. Votre Dieu qui a toute bonté a bien permis le massacre de la Saint-Barthélemy et des Albigeois. Commis en son nom. Les catholiques en Irlande ont éventré des femmes enceintes. Leurs enfants. C'est historique. Pour les ou pour ça. Bon, bon, Londres. Et en Belgique, les femmes qu'on a enterrées vives. Les païens aussi ont leur martyr. Votre fameux Saint-Augustin, là, qui a envoyé les donatistes au massacre. Vous pouvez pas le nier, ça. Mais quelle plaisanterie, non. Vous n'avez pas le droit de les appeler des martyrs. Il n'y a pas de martyrs en dehors de l'Église. Tu viens? Je te suis. Et permettez-nous de ne pas vous saluer. Quelle fumisterie, François! Quelle aberration! Dans quel gouffre allions-nous tomber? Si des gens comme ça se disent religieux, alors bonsoir! Ah. Allez où, Saint-Jobin? Dehors! Allez là! Allez! Ouste! Allez, Saint-Pierre! Allez! Allez! Dehors! Un peu de casse! Tu sais ce que nous pourrions faire? Fonder un établissement qui aurait pour but de redresser l'intelligence. Comment l'idée, ça? Apprendre à dompter les caractères. Ouvrir un cours de morale publique. Et surtout un cours d'intelligence. Ça ne s'est jamais enseigné. Tu crois que nous serions aptes? Nos études, il me semble, nous donnent le droit de parler. Aujourd'hui, nous allons étudier les départements de la France. Ils essayèrent de donner des cours gratuits dans la salle de l'auberge. Des cours pour adultes. Mais peu de monde vint y recevoir leurs leçons. La rotation de la Terre autour du Soleil. Non ? Le Soleil. Je représente le Soleil et moi, je représente la rotation de la Terre. Ils adoptèrent les deux enfants d'un bagnard et entreprirent leur éducation, sans aucun succès. Ils ne réussirent même pas à leur expliquer la rotation de la Terre. Je vais recommencer, mais ne faites plus de bêtises, ne soyez pas dissipés. Voilà. Alors, Monsieur Pécuchet, représente le Soleil. Là, là. Ils proposèrent des réformes sociales et même des embellissements pour Chavignol. Tout leur fut refusé. Ils se retrouvèrent finalement découragés, mis à l'écart et fatigués de tout. Tout nous a craqué dans les mains. Après le mal que nous nous sommes donnés tous les deux. Tu vois, François, je ne vois pas l'avenir de l'humanité en rose. L'homme moderne va devenir une machine. Toute paix sera impossible entre les peuples. La science ira vers le délire. Il n'y aura plus d'idéal, plus de moralité. L'Amérique aura conquis la Terre. Alors, notre planète perdra sa chaleur. Il finira vite. Tu
C'est pas sûr. L'Europe peut être régénérée par l'Asie et l'homme de demain sera peut-être meilleur que nous. On verra des inventions multiples, des voyages dans les airs et sous les eaux. On cultivera tout. On fera de Paris un jardin d'hiver. On emmagasinera la lumière. Et toutes les races communieront peut-être. Et on ira même dans les astres. Et quand la Terre sera usée, l'humanité déménagera vers les étoiles. Mais en attendant, que faire? J'ai bien une petite idée. Moi aussi, mais... Si nous nous remettions comme autrefois... À copier? À copier. Tu y avais pensé, toi aussi? Toi aussi? Mais copier quoi? J'y ai réfléchi. Si nous nous mettions à copier les bêtises que nous avons entendues ici et là. Et celles que nous avons dites nous-mêmes? Celles-là d'abord. C'est une entreprise grandiose que tu me proposes. Oui. Et qui peut être très utile. Viens, Pécuchet, nous n'avons plus une minute à perdre. Tu viens? Je te suis, Bouvard. Toutes les stupidités, les bévues. Tous ces jugements péremptoires, souvent cruels. Quel trésor nous allons laisser. Je me souviens ce qu'avait dit le curé un jour. Non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais encore, il était d'excellente famille du côté de sa mère. Quel âne. Et sur les femmes, qu'est-ce que j'avais donc dit un jour? Oh, oui. tu as dit, la femme a une mission importante à remplir. Elle est destinée à être la compagne de l'homme. Ah oui. Hein? La femme. Oui. A une destinée. Non, une mission. Une mission. Oui. Mais oui. Mais oui. Une mission importante à remplir. Elle est destinée. Destinée à être. La compagne de l'homme. Il meurt. Il avait dit il meurt. Attends. Il... la troupe. Ah oui, ah oui, oui. C'est là.